Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'ouvrir 4 boosters ombre ardente. Vraiment, c'est pour patienter. Je devrais recevoir normalement ma commande, j'espère, pour samedi. Jeudi, c'est férié, donc ça risque de poser un petit problème. Mais c'est pas grave. En tous les cas, aujourd'hui, c'est 4 boosters, c'est de l'ombre ardente. Donc, c'est du soleil et lune. Les illustrations, est plutôt sympa. Un peu trop présent à mon goût, mais bon, c'est comme ça. Hein. Trois identiques. Allez, on va commencer par les trois OO et puis je terminerai par celui-ci. J'ai oublié son nom. Allez, c'est parti. Petite ouverture, tranquillou. 4 boosters. Alors, on va zoomer un petit peu comme ça. On va pouvoir voir davantage. Voilà, il est vraiment très très beau. Je trouve que l'illustration de OO est splendide. Hein. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, hop, les sleeves. Alors, on est mercredi. N'oubliez pas que samedi, il va y avoir une ouverture un petit peu spéciale. Je vais changer un petit peu les règles, vous le savez, du lancer 2D. Et j'espère en plus que je vais pouvoir appliquer ça à Clash des Rebelles. Et ça pourrait être super sympa. Je devrais recevoir aussi le coffret de Sablero d'Alola. Ça, je l'attends avec grande impatience. Normalement, ça va être ensemble. Donc, énergie. Alixia. Kaiwi, Rhinophéros. Je trouve vraiment que cette illustration est très très belle. Rhinophéros, comme ça, il est bien énervé, il est très très beau. Le petit Goopix d'Alola, Hippotrempe, Sonistrel, Tadmorve d'Alola, Riolu, Caraclean Reverse, et on a Rwagada. Alors je crois que là, ça peut, on peut pas faire pire rare que Rwagada affalé sur la plage. Regardez-moi ça, l'allure de cette carte. C'est juste pas possible. À Rwagada en rare comme ça, c'est bien pour Raph. Hein. Voilà, donc pour l'instant, que dalle, mais il nous reste encore 3 boosters. Bon, je pense que je risque de pas avoir grand chose. Je sais pas pourquoi, je le sens pas cette ouverture. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, il y a des jours comme ça où on les sent pas, ces ouvertures-là. Hein. Allez, énergie combat. Rhinophéros et de 2. Hein. Rhinophéros toujours présent, c'est les rocs. Elle est très très belle cette carte avec l'espèce de nuit derrière, très jolie. Hippocéan, Psystigris, hein, vous le savez, je le trouve affreux. Caraclée, je crois que je l'ai eu déjà précédemment. Sonistrel, Nounourson, Thibaudet. On va bientôt arriver à une rare reverse avec Sepiatros et on aura. Et les câbles en simple rare. Bon, bah, pour l'instant, c'est plutôt bof bof. Donc, comme je vous ai dit, normalement, je devrais recevoir du Clash des Rebelles dans pas très très longtemps. Donc, épée bouclier, la deuxième, l'extension numéro 2, ou l'extension, quoi. Donc, vraiment, j'attends ça avec grande impatience. Normalement, ouais, c'est ce que j'ai dit, ça devrait arriver dans pas trop trop longtemps. J'ai quelques commandes qui sont un peu bloquées parce que certains produits ont été décalés. Et du coup, bah, ils envoient la commande ensemble. Donc, étant donné que j'ai un coffret qui sort que fin mai, et bah, du coup, l'ensemble sera posté pour fin mai. Et ça, c'est plutôt chiant. C'est pour ça que j'ai dû faire une autre commande sur un autre site. Et normalement, ça devrait arriver. Kirlia. Donc, il y aura pas mal de choses qui vont arriver pour la suite. Alixia. Kaiwi. Le petit Miaouz qui se promène. Goopix d'Alola. Sauf-Kipou, Togedemaru, Cradopo, Magikarp en River, c'est attention. Oh non, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cette ouverture? Rwagada, encore une fois, mais c'est horrible. Regardez-moi ça. Rien de les voir ensemble, c'est pas possible. Rwagada, encore là. Non, mais c'est incroyable. Bon, allez, je crois vraiment en ce dernier booster. Hein, vraiment. Je me sens pas bien là. Je le sens pas bien. Je vous l'avais dit d'ailleurs. Hein. Je vous l'avais dit que ça serait pas une ouverture ouf. Mais j'espère que les ouvertures ouf se feront pour la prochaine série. Hein. Carte énergie. Guzma. Très sympa. Super rappel. Apocine. Tarsal. Tadmorph d'Alola. Farfuré. Salamèche. Biantry. Non, mais c'est pas possible, là. C'est pas possible. Dans le même booster, une double. Alors ça, je l'ai vu, mais rarement. Hein.
Allez, on va les mettre comme ça. Hop, Apocine, très joli en river. C'est attention, Loup-Garrock en holo. Oh là là, mais c'est quoi cette ouverture? Bon, heureusement qu'on a un petit Loup-Garrock quand même qui fait un petit peu de bien quand même dans cette ouverture. Mais enfin, c'est vraiment une ouverture toute pourrie. Incroyable. Allez, on va regarder ça ensemble. Apocine est très belle hein, quand même sur cette river. Magikarp, Sephiatros, Caraclé. Et enfin, alors là, ça a été le gag de cette ouverture. Il y a eu pas mal de gags à cette ouverture. Les deux, hop, dans le même booster. Ça fait pas, c'est pas génial. Et Roigada, Andou, Berk. Et les câbles. Et enfin, heureusement qu'on termine avec un petit Loup-Garrock qui fait plaisir. Loup-Garrock est plutôt sympa. Mais enfin, c'était pas une super ouverture. Voilà, donc n'hésitez pas à... à me suivre donc par la suite, hein, activer la cloche pour être prévenu dès les prochaines vidéos, surtout pour il va y avoir pas mal de choses bientôt avec la nouvelle série. Je vous le dis souvent, mais ça va arriver. Je vous le dis, hein, ça va arriver. Faut être patient. On se retrouve très très vite sur la chaîne. Allez, ciao ciao.